Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Mermet-Bouvier et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel que j'ai consacré exclusivement aux nouveautés de la version 25.11 de Photoshop. En effet, cette version, qui n'est pas une version majeure, voit de nombreuses mises à jour importantes, aussi j'ai voulu y consacrer un tutoriel. Nous allons donc découvrir trois mises à jour importantes qui sont l'intégration de la génération d'images, donc l'intégration complète d'Adobe Firefly version 3. Nous verrons également le tout nouveau pinceau de sélection, le pinceau de réglage, puis quelques autres mises à jour moins importantes, l'amélioration des détails des images générées avec l'IA, mais cette fois-ci avec Adobe Firefly 2, l'intégration de à puces numéroté pour l'outil texte, l'amélioration de la barre contextuelle et également les réglages uniques dans le panneau de réglage. Je commence par une mise à jour de taille qui est l'intégration complète d'Adobe Firefly 3 dans Photoshop. Donc là, vous allez pas seulement faire du remplissage génératif, mais vous allez pouvoir générer une image complètement à partir d'un document vide. Je vais vous montrer comment. C'est parti. Je vais fermer cette image et nous allons créer un nouveau fichier. Alors, on va le créer de 1920 pixels sur une hauteur de 1080 pixels en format paysage, 300 dpi, couleur RVB 8 bits sur un fond blanc. Je crée. Voilà. J'agrandis l'image. Il m'a donc créé un arrière-plan blanc. Et dans la barre contextuelle, je vois que je peux générer une image. Je clique sur générer une image. Une fenêtre d'options apparaît et là, à partir d'un petit texte qu'on appelle un prompt, je vais décrire l'image que je souhaite. Ou bien, je peux aller chercher des images dans les propositions comme fait Photoshop. Alors là, je vais chercher une image, vous voyez, il y a de quoi faire. Type de contenu, je vais préciser art, c'est-à-dire que je veux un dessin, ou bien je pourrais vouloir une photo. Là, on va choisir un dessin et je vais prendre la ville futuriste. Vous ah, voyez, il me génère automatiquement le prompt. Une ville futuriste avec ses bâtiments et tours blancs, ornementés, sur la côte d'une dune de sable orange, sérénité, paysage. Je pourrais, dans le style, choisir une image de référence. On verra ça dans le second exemple. Et puis des effets. Là, comme j'ai pris une image prédéfinie par Photoshop, il m'a généré les effets. Vous voyez, il y a trois effets. Un effet Art Nouveau, un effet Fantasy et un effet Brumeux. Donc là, je laisse faire les exemples fournis par Photoshop et on verra dans le second exemple comment choisir des effets. Je clique sur le bouton Générer. La génération est en cours. Ça va très vite, en général. Et sur la fenêtre de droite, dans les propriétés du calque génératif, vous voyez, on voit qu'il a créé un nouveau calque de type calque génératif. Vous voyez en bas, la petite vignette signifie qu'il s'agit d'un calque génératif. Avec les propriétés du calque génératif ici. J'ai trois propositions d'image. La première, la seconde et la troisième. Si ça ne me plaît pas, je peux régénérer. Et là, il va me régénérer trois propositions, différentes évidemment. Ça me plaît pas trop. Je vais régénérer. Alors attention, quand vous générez une image, ça vous débite un crédit, un crédit génératif. Voilà. Cette proposition me plaît mieux. Je vais donc choisir cette variante. Alors, vous voyez, j'ai mis des petites vignettes. On peut mettre des plus grosses ou des petites. Avec euh, le bouton qui se trouve à droite de la fenêtre des propriétés. Alors, pour pas trop encombrer la mémoire, vous pouvez supprimer les variantes qui ne servent à rien. Avec la petite corbeille. Là. Voyez. Et puis en haut de la variante, vous avez trois petits points. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan, on ne va pas le faire là, et donner un avis. Belle création, faible. Alors, si vous donnez un avis, vous avez droit à une évaluation complète du résultat. On va pas la faire là. Et vous pouvez signaler l'image. C'est si les racistes. elle raciste, pose un problème, mais ne vous inquiétez pas. Photoshop ne va pas vous proposer des images qui posent des problèmes. Vous avez la possibilité de régénérer une nouvelle image à partir d'une image de référence ou bien d'une galerie, de la fameuse galerie que vous propose Photoshop. Vous avez également la possibilité de modifier les effets. Bon là, on va rester sur cette image, qui est pas mal. Ça correspond bien à ce que je voulais. Un beau dessin, très bien défini. Alors, afin de voir toutes les possibilités de cette image générative, on va prendre un deuxième exemple. Je vais créer un nouveau fichier. Fichier nouveau. Je vais prendre les mêmes paramètres. Que pour le précédent fichier, 1920 pixels sur 1080 en 300 dpi sur du blanc en RVB. Voilà, je génère une image à l'aide du bouton dans la barre contextuelle. Je vais saisir un prompt cette fois pour moi-même. Je vais créer de toutes pièces une image. Alors, portrait d'une jeune femme sur une plage déserte, les cheveux au vent. Voilà, je veux cette fois générer une photo et je vais choisir une image de référence pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais sur mon ordinateur. Et je prends une image que je vous mettrai en annexe de ce tutoriel. Je vous mettrai un lien sous la vidéo. Voilà, cette image est ici. Donc c'est pour lui donner l'esprit de la photo que je voudrais générer. Il va s'en inspirer. Il va s'inspirer non pas du style de l'image, mais de sa structure. C'est-à-dire que la jeune femme n'aura pas forcément la tête tournée dans le même sens. Par exemple, d'accord Je vais ajouter un effet. Alors, vous avez des mouvements créatifs, art déco, art nouveau, baroque, etc. Des thèmes, cinéma, art numérique des techniques, clair-obscur, crayonnage, des effets. Là, je vais prendre un effet photographique. Tout simplement, vous avez également de la matière, enfin, des matières, fusain, tissu, marbre, et des concepts. Vous voyez que c'est riche. Alors là, j'ai sélectionné un effet, une image de référence, je veux une photo, et je vais faire générer on va voir ce que va me trouver Madame l'intelligence artificielle. La génération commence. Ça peut être plus ou moins long, mais en général c'est court. Et vous voyez, trois images sont proposées, trois variantes. La première, alors vous voyez, je vous disais que la jeune femme n'a pas forcément la tête tournée dans le même sens que l'image de référence. Mais vous voyez que la structure de la robe est la même, par exemple. Elle est brune également. Ah celle-ci j'aime bien, souriante, euh, très bien, là j'aime moins, la tête est beaucoup trop tournée, là une tête de trois quarts j'aime bien, plage déserte, toutes les conditions sont remplies et vous voyez que la photo est de très bonne qualité. Vous voyez que ce résultat est quand même bluffant. Je vais supprimer les deux autres variantes, j'ai l'habitude de faire ça pour pas encombrer la mémoire. Alors je pourrais complexifier la chose, c'est-à-dire par exemple modifier le prompt. Alors vous voyez j'ai les propriétés du calque génératif. Hein. Alors je vais, je vais rajouter d'une jeune femme portant des lunettes de soleil. Voilà. Et je vais rajouter un effet. Vous voyez, je peux le faire ici, à travers cette petite icône. Voilà, dans la rubrique Effets, Photo Ancienne. Donc je voudrais la même, le même type de photo, en fonction de l'image de référence, toujours. La jeune femme va porter des lunettes de soleil cette fois, et la photo aura un look photo ancienne et également photographique. Ce que j'avais précisé dans les effets. Je génère, et hop, un crédit supplémentaire. Alors, sachez que si vous avez l'abonnement photographe, vous bénéficiez de 250 crédits mensuels. Si vous dépassez ces 250 crédits, Adobe va ralentir considérablement le traitement, mais ne va pas vous demander de frais supplémentaires pour le moment. Alors, voyons voir les résultats. Ça, j'aime pas trop. Ça non plus. Ça, c'est déjà un petit peu mieux. Et à un peu près, je vais régénérer. Voir si j'obtiens quelque chose de plus sympa. Mais on a bien style photo ancienne. Elle a bien des lunettes de soleil. On va voir si j'ai mieux. C'est toujours le même modèle qu'elle a pris. Hein. Là, il y a du monde sur la plage. Je vais garder celle-ci en définitive. C'est de bonne qualité, c'est pas trop mal. J'ai bien le look photo ancienne. Alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer le développement génératif qui existait déjà. Hein. On peut le combiner à la création générative que je viens de faire. Donc là, je vais prendre l'outil de recadrage. Je vais réduire le niveau de zoom pour avoir un petit peu d'espace. J'ai envie d'agrandir l'espace entre le regard et le paysage. Donc outil de recadrage. Et je rajoute un petit peu d'espace, pas trop, pour avoir une photo un peu plus panoramique, par exemple. Voilà. Et dans les options de l'outil de recadrage, je choisis développement génératif pour remplir la zone que j'ai ajoutée. Je lui demande de générer. C'est reparti pour une génération. Trois propositions, vous voyez déjà, c'est pas si mal. La deuxième. Et la troisième où il y a un bateau. On va prendre la première. Un peu sombre, mais bon, on peut l'arranger après. Comme c'est un paysage flou, c'est pas gênant. Mais sachez que le développement génératif se déroule non pas avec Adobe Firefly 3, mais avec la version précédente, c'est-à-dire Adobe Firefly 2. Et c'est de moins bonne qualité, notamment dans les détails. Mais là, bon, c'est pas gênant. On verra plus tard qu'on peut améliorer Adobe Firefly 2. Je vous montrerai comment sur cette photo. Vous voyez, on peut très bien combiner les différents types de génération. Et au niveau des calques, on voit qu'il y a deux calques génératifs le premier et le second qui correspond à l'ajout que je viens de faire. Avec un masque de fusion, vous voyez, tout se fait automatiquement. Le travail de Photoshop devient un peu plus intuitif, un peu moins compliqué peut-être pour les débutants. On obtient donc, à partir d'un fichier vide, quelque chose d'assez remarquable en matière de résultats. Alors, un tout nouvel outil a été ajouté dans la 25.11. Il s'agit du pinceau de sélection. Alors, il se trouve où C'est le troisième icône en partant du haut dans la barre d'outils. Si on fait un clic appuyé sur cet outil, on obtient donc un nouvel outil dans le groupe lasso, lasso polygonal et lasso magnétique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un outil de sélection. Alors, comment ça marche Donc, c'est un pinceau classique. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les raccourcis avec la souris. Alt, clic droit. Quand on, on maintient Alt et le clic droit, hein. quand on va sur la droite et sur la gauche ou sur la gauche, on joue sur la taille du pinceau et de haut en bas, on joue sur sa dureté. Là, je vais mettre une dureté à zéro. Un pinceau peut-être plus petit. Voilà. Comme ceci, par exemple. Vous avez une barre d'options spécifique à ce pinceau. On peut ajouter ou bien soustraire, c'est-à-dire être en mode ajout ou en mode soustraction. L'opacité du pinceau, on va la laisser à 100%. Et vous pouvez faire manuellement les réglages que j'ai fait avec le raccourci, c'est-à-dire l'épaisseur. Et la dureté. Et à côté, vous avez une petite roue dentée qui correspond à la couleur d'incrustation. Je vais laisser en magenta. Vous pouvez modifier cette couleur en fonction de la couleur de votre photo. Voilà. Et je vais peindre une partie de la photo. Alors, je vais peut-être agrandir le pinceau. Là, j'ai fait un petit peu trop petit, du coup. Voilà, j'ai déplacé là. La barre contextuelle qui était en plein milieu. Là. Voilà, je peins, je peins une zone. Je lâche, j'ai défini ma zone. Mais vous allez me dire, il n'y a pas de sélection. C'est normal, c'est un pinceau. Pour voir la sélection, il faut changer d'outil, par exemple cliquer sur l'outil de déplacement. Et vous voyez que j'ai bel et bien une sélection. Alors je reviens sur mon pinceau. Je vais revenir en arrière, contre Z effacer tout ce que j'ai fait. Une autre façon de sélectionner, c'est d'entourer la zone que vous voulez sélectionner et en faire coller les contours, comme je fais là. Et lorsque vous fermez cette zone, automatiquement Photoshop remplit la zone. C'est une façon peut-être plus facile de travailler. Alors si je me suis alors je vais finir un petit peu cette zone en fait ce que je voulais faire. C'est sélectionner l'arrière-plan de la photo, cette partie-là. Voilà, par exemple. Et si je me suis trompé, si j'ai fait une erreur, je peux soustraire soit en cliquant sur le bouton soustraction en haut, soit en maintenant la touche Alt enfoncée et voyez le petit plus au centre du réticule de mon pinceau devient un moins. Et là, voyez si je peins. J'enlève ce que j'ai pas en trop, par exemple. Et dès que je lâche le Alt, je repasse en mode addition. C'est une façon beaucoup plus rapide de travailler. Alors, je vais peindre complètement mon arrière-plan grossièrement, parce que les modifs que je vais faire n'ont pas trop d'impact. Autrement, il faudrait faire un autre type de sélection, si on voulait être très précis, hein. Alors là, ce que je vais faire, je vais créer un calque, un calque de réglage, de type niveau par exemple automatiquement il crée un masque avec la sélection que j'ai faite car il y avait une sélection et je vais régler les niveaux de la partie qui n'est pas cachée du masque je vais resserrer un peu les niveaux voilà jouer sur le gamma c'est pas terrible mais bon on pourrait jouer sur les différentes couches hein. Là j'étais en RVB, je peux jouer sur le rouge. Que sur le gamma peut-être. Du rouge, vous voyez, faire un peu plus de rouge sur le vert. Pas trop de vert. Et peut-être sur le bleu, ce serait plus pertinent. Voilà comme ceci. Alors ce pinceau de sélection ne remplace en aucun cas les outils de sélection d'objets, tous les puissants outils de sélection de Photoshop, mais ça remplace le lasso. C'est beaucoup plus rapide pour sélectionner une zone locale qu'avec le lasso. Toutes ces modifications qu'il y a dans cette 25.11, on va le voir encore après, ça vise à faciliter votre workflow, c'est-à-dire de travailler plus facilement et plus rapidement. Nous allons continuer avec le pinceau de réglage qui a été encore amélioré dans cette version. Bien, pour expliquer le pinceau de réglage, on va revenir au calque de réglage. Comment faisait-on avant le pinceau de réglage pour faire un réglage local sur une photo. Sur cette photo, je vais régler la luminosité et le contraste sur l'arrière-plan. Alors, comme on procède, dans les calques de réglage, je vais choisir le réglage luminosité-contraste. Automatiquement, il crée un nouveau calque avec un masque de fusion blanc, c'est-à-dire qu'il laisse tout passer. Là, je souhaite impacter uniquement l'arrière-plan. Comment je vais faire Je vais masquer le personnage dans le masque de fusion. Vous vous souvenez de tout ça Sinon, revoyez mes tutos sur le masque de fusion. Donc je prends le pinceau traditionnel en noir, je mets le premier plan en noir et je vais rapidement ce n'est pas gênant si ce n'est pas précis. Parce que je veux juste éviter le, les réglages sur le personnage. Si ça déborde un peu, c'est vraiment pas grave. Je vais peindre un peu les cheveux, comme ceci. Voilà, globalement, ce que je souhaite éliminer du réglage. Vous voyez, sur le masque de fusion, on voit le résultat. Et là, je vais appliquer le réglage, qui va donc impacter uniquement l'arrière-plan. Je vais monter la luminosité, mettre un peu de contraste pour rendre ce fond très lumineux, un peu plus, voilà. Par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent, c'est un exemple. Donc voilà comment on procédait avec les calques de réglage, pour impacter uniquement une partie de la photo. Je vais supprimer ce calque. Voilà, et on va en arriver au pinceau de réglage qui se trouve ici dans votre barre d'outils. Vous voyez l'icône du pinceau, un petit pinceau avec l'icône du calque de réglage à côté. Donc c'est facile à reconnaître. Je l'active, et on voit en haut la barre d'options de l'outil. C'est un pinceau traditionnel. On retrouve les réglages du pinceau, globalement. Donc, vous avez le réglage que vous souhaitez faire. Donc, dans la liste, on retrouve tous les calques de réglages. Calques de réglages qui sont présents ici. D'accord. C'est exactement les mêmes. On va rester sur luminosité-contraste. Le mode soustraction ou le mode ajout du pinceau. On ajoute ou bien on soustrait. Ici, les réglages du pinceau un peu plus fins que pour le pinceau de sélection. On retrouve vraiment tous les réglages d'un pinceau traditionnel. La taille et la dureté. L'icône suivante, ça concerne les tablettes graphiques, notamment la pression. Ensuite, appliquer à l'objet, on va y revenir. Ça, c'est spécifique au pinceau de réglage. L'incrustation, est-ce qu'on souhaite voir l'incrustation Je vais la cocher. L'opacité du pinceau. Encore une icône qui concerne la tablette graphique. Est-ce qu'on veut que la pression du stylet s'ajoute sur l'opacité Donc là, ça ne nous concerne pas. Le flux du pinceau. Et ça, ça concerne un effet d'accumulation style aérographe. Bon, ça, ça ne va pas nous intéresser pour ce que je vais faire. Dans la barre contextuelle, on trouve les principales options du pinceau de réglage, à savoir le type de réglage, d'accord, appliqué à l'objet, et la taille et la dureté. Les trois petits points concernent les options de la barre contextuelle. On peut faire le réglage du pinceau avec le raccourci que vous connaissez tous alt clic droit donc de droite à gauche on joue sur la taille et de haut en bas on joue sur la dureté du pinceau là je vais prendre une grande taille là et je vais peindre la zone qui va être concernée par mes réglages donc là je vais faire uniquement l'arrière-plan alors il y a d'autres méthodes hein, pour sélectionner un arrière-plan mais là je vous explique le pinceau de réglage voilà, je fais vite hein, et, et, et brièvement. Je vais faire par là, pas trop toucher les cheveux. Voilà. Rapidement, hein, ce que je veux impacter. On constate que un calque de réglage, de luminosité, contraste a été créé automatiquement et qu'il a créé le masque de fusion en fonction de ma sélection. Et là, il me reste à régler la luminosité et le contraste de l'arrière-plan. Je vais enlever l'incrustation qui me gêne là. Peut-être enlever un peu de contraste. Voilà. Alors ça, c'est une façon un peu brutale d'utiliser le pinceau de réglage. Je vais vous montrer une méthode plus... Plus précise, je supprime le réglage là. Et on va procéder un peu plus intelligemment. Je vais sur le pinceau de réglage. Alors ce que je vais faire, je vais faire deux réglages. Un réglage sur le personnage et un autre réglage sur l'arrière-plan. Sur le personnage, je vais faire un réglage de niveau. Donc je choisis niveau. Et là, je ne vais pas sélectionner avec le pinceau, mais avec appliqué à l'objet. Nous y voilà. Je vous avais dit qu'on y reviendrait plus tard. Je clique. Et là, quand je promène la souris sur la photo, il essaye de me détecter des objets. Là, il me détecte assez bien le personnage. Même suffisamment. Je clique. Et vous voyez, automatiquement, il m'a créé un calque de réglage de type niveau avec le personnage sélectionné. Donc j'applique les niveaux sur le personnage. J'essaye d'équilibrer un petit peu tout ça. Voilà avec le gamma. Comme ceci, c'est pas trop mal. Et maintenant, je vais faire un calque luminosité-contraste sur le fond. Comment vais-je procéder Vous allez voir, c'est tout simple. Je fais ajouter un nouveau réglage. Je clique. Je choisis luminosité contraste et là je vais choisir appliquer à l'objet il me détecte le personnage vous allez me dire t'es bien gentil mais c'est parce ce qu'on voulait faire alors petite astuce il m'a bien sélectionné le personnage dans un nouveau calque de type luminosité contraste donc la petite astuce je vais tout simplement cliquer sur les propriétés du masque de fusion et je vais tout simplement l'inverser. Donc là, c'est le personnage qui est masqué et c'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Je reviens sur les réglages. Je vais baisser la luminosité maintenant plutôt là et baisser un peu le contraste. Voilà, là, c'est pas trop mal. Vous comprenez que c'est un exemple. Voilà donc toutes les méthodes pour appliquer le pinceau de réglage. Alors là encore, c'est une façon de simplifier la vie de l'utilisateur. La méthode est très intuitive à travers le pinceau. Et donc pour faire un réglage local sur une photo, il n'y a pas de doute, il faut procéder avec le pinceau de réglage. Ce que je vais faire dès à présent. La version 25.11 a vu d'autres améliorations moins importantes. On va en faire le tour. C'est parti. Alors, une autre amélioration concerne l'amélioration des détails dans les images générées par le remplissage génératif. Alors, je vais vous montrer, je vous avais dit que je vous en reparlerai quand je vous ai présenté Adobe Firefly 3 et je vous avais dit que le remplissage génératif était géré par Adobe Firefly 2 avec des résultats de moins bonne qualité. Alors, on va faire un remplissage génératif. Je prends le pinceau de sélection. Voilà. Et je vais détourer une zone dans laquelle je vais faire un remplissage génératif. On va faire à peu près comme ceci. Je ferme la zone. Elle est définie. Dans la barre contextuelle, je clique sur remplissage génératif et je décris ce que je veux. Alors, portrait d'un jeune homme avec des lunettes de soleil. L'IA se met en route et à l'issue du traitement, nous obtenons trois images. Alors la première n'est pas terrible, la deuxième variante non plus. Et la troisième, c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, je régénère. Portrait d'un jeune homme avec des lunettes de soleil. J'espérais mieux que ces images, là. Voilà, c'est déjà mieux, je pense. Oh là là, une fois n'importe quoi, là. On va garder celle-ci, la première. J'avoue que là, je suis un peu déçu par le... les générations, mais bon. Alors, il est dans l'ombre. Ce qui est normal, il y avait de l'ombre sur le côté. Si je zoome sur le visage généré. Vous voyez, on voit que c'est pas d'une très bonne qualité, hein, par rapport à la dame, là. Alors, on peut améliorer les détails de cette variante. Je vais supprimer les deux autres, qui me servent à rien, même les trois autres. Comme quoi, des fois, il faut générer plusieurs images pour avoir ce qu'on veut. Et en haut de la proposition de la variante, on trouve une petite icône qui permet donc d'améliorer les détails. Je clique dessus. Le traitement s'est effectué. Mais alors, vous voyez, c'est pas du tout convaincant. J'ai exactement la même image qu'au début. Donc, cette amélioration des détails ne me convainc pas du tout. Alors, s'il te plaît, monsieur Adobe, intègre Firefly 3 également dans le remplissage génératif. Et l'amélioration suivante, concerne l'outil texte. Alors vous allez me dire en photo on s'en sert pas beaucoup. Ça va surtout intéresser les graphistes qui réclamaient cette amélioration depuis très longtemps. Donc j'appelle l'outil texte, voilà comme ceci, et je vais faire un texte un peu important, voilà. Il me génère le texte par défaut et on va voir que Adobe a intégré les listes à puces dans l'outil texte. Vous allez me dire c'est pas une révolution. Alors, je vais taper un texte, femme, deux points, à la ligne, on va mettre portrait, par exemple, à la ligne, lunettes, à la ligne, plage, à la ligne, évent ». Alors, dans les options de l'outil texte, alors je vais surligner ce que je souhaite mettre en liste à puces. dans les options, je vais appeler donc le panneau qui va me permettre de modifier les caractères et le paragraphe. donc, là, vous avez deux options, caractère ou paragraphe. ce qui m'intéresse, c'est bien le paragraphe. et voilà ce qui a été ajouté, liste à puces et liste numérotée. il y a bien les deux. je clique sur liste à puces, j'obtiens bien une liste à puces. Sur liste numérotée, j'obtiens bien une liste numérotée. Et tout ça se gère comme dans tous les logiciels qui comportent des listes à puces et des listes numérotées. Voilà, n'est pas une révolution pour les photographes, mais je me devais de le citer dans la liste des améliorations. Alors, une autre amélioration intéressante, ça concerne la barre contextuelle c'est-à-dire la barre que vous avez en bas, qui vous permet de gagner du temps. Alors cette barre contextuelle correspond au dernier calque. Cette barre d'options contextuelle devient beaucoup plus riche. On va voir sur quelques exemples, en ce qui concerne un calque de pixels, on a toujours les mêmes choses, ça n'a pas bougé. Pour un calque génératif, on a vu qu'on retrouvait toutes les options de la génération, à savoir le prompt, les effets, l'image de référence, etc. Je vous ai présenté tout ça, et les différentes variantes qu'on peut faire défiler. Le bouton générer, et les trois petits points, concernent donc les options de la barre contextuelle elle-même. Je vous en ai parlé un peu plus haut dans ce tutoriel. Sur le développement génératif, c'est la même chose mais en moins riche, parce qu'il s'agissait d'un développement génératif et non pas d'une génération complète. Sur mon calque de réglage, alors c'est le masque qui est sélectionné là, donc le réglage de niveau par lui-même n'est pas concerné par la barre contextuelle. Par contre, sur les masques, on retrouve beaucoup plus d'options. Soustraire au masque, ajouter au masque, donc on peut enrichir le masque, hein modifier le contour progressif, masquer le masque, modifier l'affichage du masque. Donc, beaucoup plus d'options sur les masques. Alors, sur le calque de texte, je vais en recréer un. Voilà, comme ceci. On voit que on a ajouté une option. La dernière icône a été ajoutée. Il s'agit d'avoir plus d'options pour le texte. Alors, on sait que les textes ont beaucoup d'options. Et là, on a mis l'essentiel dans la barre contextuel et même plus. C'est bien pratique. Et surtout, ce qui n'existait pas avant, ça concerne les formes vectorielles. On va tracer un rectangle vectoriel. Donc maintenant, on trouve une barre contextuelle avec vraiment presque toutes les options. Hein. Le, la couleur du fond, le type de contour, l'épaisseur du contour, le type de contour. L'arrondi des contours. Si on veut des contours arrondis, on va en mettre un là pour faire joli. Voilà. On peut dupliquer le calque vectoriel qui se trouve ici. Il arrive qu'on ait besoin de les dupliquer. Maintenant, c'est directement dans la barre d'options et on peut avoir plus de propriétés qui se trouvent donc ici dans les propriétés d'un autre calque vectoriel. Voilà. J'ai mis des gros pointillés. Et j'ai fait deux calques. Alors sur les calques vectoriels, ça a été le gros ajout de cette barre contextuelle. J'avoue que c'est très pratique. Ce sont des calques qui sont bourrés de propriétés. Là, c'est beaucoup plus facile de les manipuler. Donc, en résumé, il y a eu des ajouts importants dans cette barre contextuelle. Toujours dans le même esprit, faciliter le travail de l'utilisateur rendre Photoshop encore plus intuitif. Ce qui était bien le but de cette barre contextuelle, et c'est une très bonne chose qu'elle soit enrichie. Et enfin, une dernière amélioration, dans l'esprit de simplifier l'accès aux paramètres les plus utilisés, c'est les réglages uniques qui apparaissent dans le panneau de réglage. Je m'explique, le panneau de réglage se trouve ici, dans ma... Présentation de Photoshop dans mon espace de travail. Je clique sur Réglages. Voilà. Et on trouve. Alors, je vais tout fermer pour bien vous montrer. Avant, on trouvait les paramètres prédéfinis, ici. Et vos paramètres prédéfinis à vous, personnalisés. D'accord Et on avait le choix des paramètres prédéfinis. Maintenant, une troisième chose a été ajoutée ce sont les réglages uniques. Alors, je l'ouvre, et on trouve les réglages les plus fréquents, les plus fréquemment utilisés. Et voyez qu'on y a accès très rapidement. J'ai cliqué sur temps de saturation, et automatiquement, j'ai tous les paramètres de ce réglage. Donc ça, c'est dans l'esprit, plus intuitif, plus rapide, plus facile. Idem pour les niveaux. Voilà. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les nouveautés de cette version 25.11 de Photoshop. On retiendra la grosse nouveauté qui est la génération d'images à partir d'un document vide avec l'intégration d'Adobe Firefly 3. Alors, ça, ça veut dire que votre version de Photoshop va demander encore plus de ressources que la version précédente. Ensuite, nous avons vu l'amélioration des détails dans le développement génératif, qui n'est pas très convaincant, j'avoue, vivement que Adobe améliore ce, cette amélioration des détails, cette accentuation des détails. On a vu le pinceau de sélection tout nouveau, très intéressant, le pinceau de réglage, je voulais détailler vraiment à fond, la création de à puces dans le texte, l'amélioration de la barre contextuelle, les réglages uniques, donc en résumé, Photoshop devient plus intuitif. Je pense que ça va être le but des prochaines mises à jour, encore plus de facilité d'utilisation et encore plus d'intuitivité. Voilà, ce tutoriel s'achève. J'espère qu'il vous aura intéressé. En tout cas, je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels autour de Photoshop.